aujourd'hui, après des 5 ans à la France, après d'être traité comme un chien, bien sûr, et d'être traité de tout, voilà, d'essayer de m'espagner au lycée, voilà, c'est tout, hein, c'est comme ça. Viva España, viva España, la paella, le flamenco et tout, et voilà. Et après d'avoir vécu beaucoup de choses pas bonnes, et à Paris et partout, voilà, donc ça m'a donné, voilà, ça m'a quitté toutes mes énergies, ça m'a quitté tous mes espoirs, mes projets. Après, peut-être c'était ça la manipulation. Peut-être c'est simplement, ah, est-ce que cette personne veut quitter la France, veut quitter l'Espagne, qu'elle retourne à l'Espagne, qu'elle même ne reconnaît pas les Catalans, non? Et peut-être c'était ça, c'était comme dire, c'est une grosse pression de dénigrer une personne pour son genre, pour son corps, pour ses préférences sexuelles, pour ses goûts, voilà. Mais non, moi je suis à la France et je vais rester à la France, j'adore Marseille. Et les jours que je pars de Marseille, peut-être il va partir avec les papiers français. Et peut-être la France va dire non, on ne peut pas te donner les papiers français. M'en être honnête pour une fois. Et en ce moment, je vais aller peut-être dans un pays d'à côté pour demander pareillement les droits du sol, les droits de dire il y a un conflit, je ne veux pas les papiers espagnols, on attend pour faire un référendum. Et j'ai cherché un pays, d'accord, est-ce que vous pouvez m'aider? Vous va dire que je suis des vacances. Vous va dire, comme sur moi pour peut-être me quitter la Zambie. Vous me va empoisonner quand je suis à la roue et j'ai pas de médecin. C'est ça? Vous me va taper, que je m'en tape 3 fois ou 4 fois à Paris. D'accord? Donc, après de tout ça, d'ici quelque chose, quelques travails, j'ai mon chômage. Et j'essaie d'avoir mes papiers simplement pour prendre la testostérone légalement. Mais parce que non. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est après de tout ça, il essaie de bouffer toute mon énergie. Un peu en destruction interne d'un être humain, voilà. C'est facile à détruire, verbalement, psychologiquement, un peu physiquement aussi. S'il refuse d'avoir des hébergements catholiques, on le laisse dehors, qu'il crève, jusqu'à ce qu'il va accepter ça, voilà. Il y a beaucoup de façons de détruire à quelqu'un, d'accord? Après, on peut parler des respects. De respect l'être humain pour sa différence, pour sa culture, pour sa façon d'être, voilà, d'accord? Donc déjà la distorsion, ça vient pas avec moi. Hein. Donc aujourd'hui que c'est le 28, j'ai dit c'est voilà, il faut que j'aille. Hein. C'est pas grave si les gens m'insultent, c'est pas grave si quelqu'un m'appelle madame, monsieur, pour me donner son avis transphobique. Genre, sur ma masculinité très fière et que je ne peux pas encore aller plus loin pour ma condition sociale et économique. D'accord? Donc voilà, je suis venu à faire les papiers et voilà, elle est fermée. Pourquoi je suis venu ici? Que j'habite au quartier nord de Marseille, que c'est dans le 13e arrondissement de Marseille. Et ça, c'est l'endroit plus proche. Donc, ça c'est autre des conflits, voilà. On perd 10 000 années pour faire un papier. Ça c'est bouffe de notre énergie. Mais bon, c'est pas grave. Parce que ici, voilà, c'est comme ça. Donc, le plus important pour moi, c'est que aujourd'hui j'ai venu ici. C'est pas grave si c'est fermé ou pas. L'important pour moi, c'est que j'ai venu.
j'ai venu et c'est tout. Après, voilà, ça aussi, mais lundi, parce que déjà, demain va être fermé. Est-ce que lundi, je vais avoir encore les SMB d'aller à faire des papiers? Ou c'est simplement un petit mouvement pour quitter les SMB, que les gens quittent les pays? Parce que moi, c'est pire. Moi, je suis fou d'avoir les papiers espagnols. Et je demande si je peux avoir la naturalisation ou bien me déclarer comme apatride, bénéficier à tous les droits, d'accord? À quoi réponse de l'intermédiaire de l'État? Tout ça me bouffe l'énergie, tout ça. Mais bon, moi je ne vais quitter pas parce que je suis chez moi. D'où la plage du Catalan, de la plage du Catalan jusqu'au quartier nord, ça c'est chez moi. Ici un jour, je vais quitter chez moi. Ça veut dire c'est que peut-être je vais aller des vacances ou peut-être je vais aller à les États-Unis, à San Francisco, à me faire une opération. Voilà. Parce qu'à la France, comme dans beaucoup d'autres pays, ne sont pas développés. Voilà. Et ça aussi, il ne faut pas parler. On va parler mieux de que c'est la fin du monde. Voilà. Qu'on est la fin du monde, qu'on est enragé, que c'est le pire de le pire et que c'est nous. Donc, c'est comme ça, voilà. Ça me fatigue. Je suis fatiguée vraiment. Moralement, hein, c'est moralement. Hein. Après, il y a les clans. Il y a les différents clans. Il y a les clans de droite, les clans d'extrême droite, les clans des de riches bobos, les riches qui veulent voilà, sauver le monde de la fin du monde. Voilà. Donc, il y a tous ces clans qui disent oui, 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 on va t'aider, on va t'aider. Oui, oui, oui. Des hypocrites. Finalement, si tu avais ces vidéos, l'unique, la révolution plus importante, c'est la de ton être. Et la révolution plus importante, c'est la de ton quartier, la de ta famille. C'est tout. Et si tu es dans la merde, il faut que tu fasses une révolution économique, une libération économique et sociale pour changer ça. L'autre, poubelle. Ça, c'est ma réponse. Je peux pas, j'ai besoin de ça pour avoir un papier, des papiers plus réglo, pour pouvoir avoir les droits, avoir un médecin, plusieurs médecins, pas un médecin pour me faire un bilan de santé, mais aussi un médecin pour prendre la testostérone et continuer, voilà. Mais non, 6 mois à Marseille, non, la réponse c'est non. Pourquoi? Voilà, parce que les choses sont très statiques, trop comme ça. On veut pas qu'elle bouge. On veut pas que ça... Voilà, c'est tout. Et c'est pas la faute des Front National, hein. Ils sont tout pareils. Hein. Ils sont tout pareils. Il faut pas dire que nous sommes mieux que autres. Hein. Les Front National, c'est les plus radicaux, les plus... c'est comme l'opposé à mes soeurs catalanes de la coupe, Idara. D'accord, sont, bien sûr que ces gens... voilà, mais... Mais ce n'est pas seulement sa faute, hein. On ne sont pas au gouvernement, ils ne sont pas qui contrôlent, ils ne sont pas qui font le système. C'est ça que je vais te dire. Pour si ça peut servir à quelque chose à toi, voilà, c'est tout. Ça ne veut dire pas qu'il faut détruire ou crémer ça. Ça, c'est stupide. Ça, c'est stupide. Les manifestations sont stupides. Quand les manifestations sont des riches qui font ces manifestations, des bobos. Si les bobos font les manifestations pour faire la revendication des pauvres, ça sert à rien. Ça, c'est la chose. Et, s'il te plaît, que personne se foute de ta gueule, que personne parle pour toi. Dans ta vie, dans tes choses, ça, c'est le plus important. Et bon courage. Et voilà, ici au 13e arrondissement, à la CAF, du quartier nord, elle est fermée. Donc, voilà. Bon courage. Au revoir.